Frères et sœurs, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à notre émission EBCI et ce jour, nous sommes chargés de lire 1 Corinthiens, le chapitre 9, du verset 15 au verset 18. Et nous avons trois questions. Sur notre plateau, ce matin, nous avons avec nous M. Adjoubi. Que Dieu te bénisse, reste. Merci. Okay. Nous avons aussi Madame Sopi. Merci, frère Richemont. Okay. Et à ma droite, nous avons la sœur Olivia. Effectivement, sois bénie. Et la sœur Grand Sylvie, que Dieu te bénisse. Amen. Okay. Donc, comme je le disais, le texte aujourd'hui se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 9, du verset 15 au verset 18. Donc, je vais demander à notre seul homme sur le plateau, après moi, l'ancien Adjoubi, ou le moniteur Adjoubi, de nous faire la lecture. Merci Richemont. Nous lisons donc la parole de Dieu, 1 Corinthiens 9, versets 15 à 18. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer à ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Amen. Amen. Le thème du jour 3 dans le livret B, c'est des récompenses intangibles. La première question est la suivante. Paul a affirmé qu'il ne demandait pas aux Corinthiens de pouvoir à ses besoins. Alors, que pensez-vous qu'il espérait communiquer ? Je reprends la question. Paul a affirmé qu'il ne demandait pas aux Corinthiens de pouvoir à ses besoins. Alors, que pensez-vous qu'il espérait communiquer? Oui, la sœur Olivia. Donc, moi, je crois que Paul voulait simplement annoncer l'évangile et l'évangile dans toute son authenticité. Et en le faisant, c'est-à-dire en ne bénéficiant pas de ses droits en tant que prédicateur de l'évangile. Il voulait montrer que nos efforts en tant qu'ouvriers du Seigneur n'auront pas forcément leur récompense ici-bas, mais la plus grande des récompenses sera acquise dans le royaume des cieux. Oui, un autre élément de réponse. Oui, Monita Adjoubi. Oui, ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que Paul voudrait plutôt mettre l'accent sur l'objectif qu'il veut atteindre en annonçant l'évangile. Lui, ce qui le préoccupe le plus, je pense, c'est le salut des âmes. Ce n'est pas annoncer l'évangile pour bénéficier de biens matériels. Par exemple, aujourd'hui, nous voyons dans certains milieux que certains prédicateurs veulent être rémunérés pour tout ce qu'ils font. Même pour prier pour quelqu'un, il faut qu'on donne de l'argent. Donc, je pense que c'est pour éviter toutes ces confusions-là que Paul a choisi délibérément de mettre l'accent sur l'annonce de l'évangile sans forcément attendre quelque chose comme rétribution. Ok. Oui, la sœur Sophie. Merci. Paul, selon ses dires,
il ne voulait pas faire de son ministère une activité lucrative. Afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Comme vient de le dire le frère, l'objectif de Paul, la récompense de Paul, est que les âmes, l'évangile soit prêché et que les hommes soient sauvés. C'est son premier objectif. Et c'est son but même, c'est son ultime but même atteindre. Ce n'est pas pour un gain, ce n'est pas pour s'enrichir, ce n'est pas pour... D'ailleurs, même lorsqu'on prend l'histoire de Paul, on sait que c'est quelqu'un, bon, au plan social, qui était bien placé. Et compte tenu de ce que le Seigneur a fait pour lui, ce n'est pas maintenant avec son ministère, ce ministère, qu'il va s'enrichir ou bien qu'il va s'approprier de quoi que ce soit. Son seul objectif, c'est que l'évangile soit prêché et que les hommes soient sauvés. Amen. Ok, oui, la sœur Grand Sylvie. Bon, pour ajouter, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce que les frères ont dit. Bon, selon pour moi, Paul espérait communiquer l'amour de Dieu. Et aussi, il espérait montrer la liberté qu'on a en prêchant l'évangile, en annonçant Christ à certaines personnes. Et en le faisant, on n'a pas besoin d'attendre quelque chose en retour parce que notre récompense n'est pas ici-bas. Et si nous devons recevoir une récompense, cette récompense est éphémère. Alors, on ne devait pas s'attendre à quelque chose. Donc, il est en train de montrer aussi la liberté qu'on a en annonçant aussi l'évangile. Ok. Est-ce que Paul aussi ne voulait pas montrer aux frères et sœurs de Corinthe et à nous aujourd'hui que Dieu prend aussi soin de son serviteur? Est-ce que Paul aussi, est-ce que c'est cela que Paul voulait communiquer aussi aux chrétiens de Corinthe? C'est-à-dire, Dieu prend soin de ses serviteurs. Ok. On va continuer avec la question numéro 8. Selon vous, pourquoi Paul a-t-il dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile » Oui. Oui, la sœur Sophie. Paul a dit cela parce que pour lui, annoncer l'évangile, c'est un acte de reconnaissance à Dieu. De faire véhiculer son message, de faire véhiculer l'évangile. Car Dieu a renouvelé la vie de Paul et il a pardonné son passé. Lorsque nous faisons référence à tout ce que Paul a fait aux chrétiens, et aujourd'hui c'est Paul qui se met debout devant une assemblée, devant une publique, parler au nom de Jésus. Donc, pour moi, c'est un acte de reconnaissance pour tout ce que le Seigneur a fait pour lui. Donc, un acte de reconnaissance. Oui, la sœur Grand. Bon, Paul a dit malheur à lui s'il n'annonce pas l'évangile. Car pour lui, c'est inconcevable d'être sauvé, d'être racheté à un si grand prix et de ne pas communiquer ce salut à certaines personnes, de ne pas faire connaître ce salut à certaines personnes, de ne pas faire connaître ce sauveur à certaines personnes. Pour lui, c'est de l'amour qu'il manifestait à l'égard des chrétiens de Corinthe. Oui. Voilà. Quand on sait la vie de Paul et être sauvé à ce prix, il méritait bien la mort, mais il a été sauvé, racheté gratuitement. Oui. Et pour lui, c'est un désir ardent de pouvoir parler de ce salut à certaines personnes. Et aussi, je voudrais ajouter quelque chose. C'est comme s'il voudrait aussi répondre à l'injonction du Seigneur. Quand il disait en Matthieu 28, 19 à 20, « Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. » C'est vrai que quand il disait cela, Paul n'était pas là. Mais c'est vrai aussi qu'il a lu les Écritures et il a pris note de cet ordre. C'est pourquoi lui aussi, il voulait répondre à l'appel du Seigneur en allant partout et faire de toutes les nations des disciples, comme le Seigneur Jésus nous a commandé de le faire. Donc Paul répondait à l'appel du Seigneur. Oui, moniteur Adobe. Oui, je voudrais aussi ajouter que ça aussi, c'est ce que Paul vient de dire un peu en rapport aussi avec son histoire, comme la sœur Sophie l'a souligné tout à l'heure. Lorsque nous lisons dans Actes 9, parlant de la conversion de Paul, il est dit au verset 15, c'est le Seigneur même qui parle, il dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi
pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc nous voyons que Paul est conscient de la mission que le Seigneur lui a confiée lorsqu'il s'était converti. Et quelque part, il a dit que Jésus-Christ est venu sauver des pécheurs dont il est le premier. Donc toutes ces pensées, toute cette mission, la conscience de cette mission que le Seigneur lui a confiée fait que Paul ne peut pas se passer d'annoncer l'évangile. Quelles que soient les circonstances, il est toujours prêt à annoncer l'évangile. Même dans la question précédente, comme on l'a dit, même s'il doit annoncer l'évangile sans avoir de contrepartie financière, cela n'est pas grave pour lui, mais le plus important pour lui, c'est d'annoncer vraiment, de remplir la mission que le Seigneur lui a confiée lorsqu'il s'était converti. Okay. Nous passons directement à la 9e et la dernière question, qui est la suivante. Y a-t-il quelque chose que vous faites pour Jésus avec une telle joie au point de le faire gratuitement? Ça, c'est un peu personnel, je le crois. Sûrement, chacun a un petit témoignage, quelque chose qu'il fait pour le Seigneur, en tout cas, avec joie, de tel enseigne qu'il le fait, en tout cas, gratuitement. Oui, la sœur Grand? Oui, il y a certaines choses que nous faisons et qui nous procurent de la joie, le faire gratuitement. Par exemple, tant que servir à l'église, dans les départements, les comités, voilà. On prend le cas, par exemple, dans la cérémonie de mariage, c'est vrai qu'on apporte quelque chose, on donne de notre temps, on sert certaines personnes sans rien attendre en retour. C'est une joie pour nous de le faire. Bon, par rapport à moi, comme ça, je peux donner moi mon cas. Servir une autre personne, franchement, ça me donne de la joie. Savoir que cette personne a été satisfaite, savoir que cette personne a eu gain de cause par rapport à ce qu'elle cherchait, bon, moi, ça me procure de la joie. C'est une manière pour moi aussi d'annoncer Christ. Parce que quand on rend service, il y a certaines personnes qui disent comme ça, toi, celle-là, elle doit être chrétienne. Celui-là doit être chrétien. Parce que vu que certaines personnes ont vécu certaines situations, et quand ils te rencontrent, et ta manière de te comporter avec ces derniers, et ils ont tendance à comparer, dire non, c'est pas normal, c'est pas que cette personne a la véritable crainte de Dieu. Et aussi, ce que je voudrais ajouter, car la parole de Dieu dit en Matthieu 10, verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Nous avons reçu gratuitement et nous devons aussi donner gratuitement aux autres. Alléluia. Oui, Toto Adobi. Oui, en tant que moniteur, je pense que cette question, je suis très à l'aise pour y répondre parce que ça fait quand même depuis 1994, donc 26 ans de service en tant que moniteur. Et toutes ces années, nous avons pris des enfants depuis l'âge de 3 ans et qui sont aujourd'hui des responsables dans l'église, qui sont mariés dans le Seigneur, qui ont eux-mêmes fondé des familles dans le Seigneur. Donc, cette joie qu'on éprouve de voir des enfants qu'on a pris au bas âge qui sont aujourd'hui des responsables et qui sont dans le Seigneur, il n'y a pas de récompense financière, par exemple, qui puisse égaler cette joie. Donc, cela nous montre que l'œuvre que nous accomplissons auprès des enfants porte du fruit. Donc, déjà, ça, c'est une récompense qui nous motive à servir le Seigneur davantage sans attendre quelques rémunérations que ce soit en retour. Ok, amen. Tonton Adjobi et ses enfants, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu fortifie encore. Oui. Je vais prendre la sœur Olivia et je vais terminer par notre maman Sophie. D'accord, moi ce que je peux dire, c'est que des fois, obéir à la parole de Dieu procure aussi une grande joie. C'est-à-dire quand quelquefois on réussit à ne pas rentrer dans les compromissions et que les autres eux-mêmes disent assurément tu es chrétienne. Et moi, ça m'est arrivé, on m'a dit, tu es chrétienne évangélique. La personne a ajouté, tu es chrétienne évangélique. J'ai dit, oui, je suis chrétienne. Et la personne ne m'a plus perturbée, en fait. Bon, si je veux aller un peu plus loin, j'enseigne dans
dans un collège, et à la fin du trimestre, on se rend compte que c'est là que les élèves, en fait, comme je leur dis souvent, vous jouez les saints, vous, voilà, les parfaits et tout, ils embêtent les professeurs pour des plus et tout. Et parfois même, il y a même des collègues professeurs qui rentrent dans ce système-là. Ils viennent voir leurs collègues pour dire « Ah, j'ai mon petit dans ta classe, essaie de voir sa note parce qu'il dit que c'est difficile, on va te glisser 5 000 et tout ». Et quand on refuse, et c'est à eux-mêmes de dire « Ah, donc, on dirait que tu es chrétienne évangélique. Hein. » Ça m'est arrivé ce premier trimestre-là, quand on a terminé. J'ai dit « Oui, je suis chrétienne évangélique. » Et après, ça m'a procuré une grande joie. J'étais contente parce que l'autre a reconnu que j'avais Christ en moi et que je n'étais pas prête à rentrer dans ce genre de compromission. Ça encourage encore à continuer à marcher sur la voie du Seigneur. Alléluia. Notre maman Sopi. Amen, merci. Je voudrais dire qu'il n'y a pas une joie que lorsque tu suis une âme jusqu'à ce qu'elle se donne réellement à Jésus. Alléluia. Il n'y a pas une joie lorsque tu intercèdes pour quelqu'un et que la personne est délivrée d'une situation. Il n'y a pas une joie que lorsque tu es là, lorsque tu n'as pas prié pour les autres, tu n'as pas intercédé pour les serviteurs de Dieu, pour l'Église. Il n'y a pas une autre joie que de faire le service de Dieu. C'est ce que j'aimerais ajouter. Chers frères et sœurs, que Dieu bénisse chacun de nous pour sa réponse. Nous faisions le jour 3 et notre texte se trouvait dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, du verset 15 au verset 18. Nous avions 3 questions ce matin et nous disons merci à tous nos étudiants et à tous nos étudiants sur le plateau. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ce matin de ces quelques questions? Paul avait été appelé à prêcher l'Évangile. Paul avait été appelé à prêcher la parole de Dieu autour de lui. Et Paul, sachant ce qu'il était avant, l'a fait gratuitement, sans attendre quelque chose en retour. Ce que nous voudrions dire ce matin, c'est que Dieu t'a appelé à un ministère, Dieu t'a appelé à une œuvre, Dieu t'a appelé à un travail, il faille que tu le fasses et que tu le fasses gratuitement. S'il doit avoir des récompenses, c'est Dieu lui-même qui prendra la peine de te récompenser. Que le Seigneur ce matin nous bénisse et qu'il bénisse nos auditeurs et nos auditrices. Que Dieu nous bénisse.